Bonjour, là. Moi, c'est Germaine. Là, c'est pour la messe, là. Ça a plus de bon sens, là, là, là. Ah, oh, là, là, l'image est pas belle. Le curé est lette. Le son, il est pas bon. La chorale, elle chante mal. Faites quelque chose. Changer de caméraman, je sais pas, faire quelque chose. Là, un matin, ça a vraiment plus de bon sens, là. Bonsoir. Bon, voyons voir. Ah, comme ça. Bon, nous sommes ici, au large des côtes pistoloises. Et le trésor balorancien se cacherait ici, bien sûr. Donc voilà, le trésor balorancien dissimulé par les peuples basques d'autrefois se trouverait ici sur l'une de ces multiples îles. D'accord. Donc, je crois que je pourrais bien manipuler Moustique et la populace afin... Afin de trouver le trésor sur l'une de ces îles et par la suite, je serai le plus grand capitaine ayant navigué sur le Saint-Laurent et voilà. Moustique, mais qu'est-ce que... Drin-drin. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être? Le téléphone. Plaît-il? Bon matin, capitaine. Roctal, réveillez-vous pour partir l'émission? L'émission? Oui. Roctal, réveillez-vous? Non. Ah! L'émission! Capitaine, Roccal a essayé son nouveau téléphone intelligent. Pratique pour passer des appels. Moustique dire à Roccal que Jean utilise téléphone pour prendre des photos, suivre carte GPS, voir vidéos de chatons et même trouver Pokémon. Roccal pense que technologie rendre Jean abruti, mais bon. Voyez, capitaine, Roccal peut vous parler avec main libre. Roccal travaille tout en téléphonant. Pratique pour sauver du temps.
Capitaine? Vous être toujours là? Moustique! Oui, capitaine. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu que les gens et les gens de Tess nous attendaient? Mais vous dormiez, capitaine. Moustique, pour la dernière fois, le capitaine ne dort pas. J'étais occupé toute la nuit à compter les étoiles pour savoir combien de temps il reste avant le changement d'heure équinoxien. Le changement d'heure de l'équinoxe, vous voulez dire, capitaine? Mais vous n'êtes pas en avance? C'était la semaine dernière. En tous les cas, où sont nos braves gens? Braves gens! Bonjour. Vous m'avez pris par surprise. Oh, Rorqual pensait que sonnerie a été surprise pour vous, capitaine. Mais non, Rorqual. Qu'est-ce que vous inventez là? Moustique m'a actualisé. Je veux dire, j'avais tout de suite compris qu'il s'agissait du téléphone, bien entendu. Non, j'étais seulement occupé à d'autres occupations occupationnelles. Voilà tout. Alors, Moustique, est-ce que vous auriez vu une bouteille à la mer ce matin? Non, capitaine. J'ai surveillé toute la nuit et je n'ai rien vu à l'horizon. Vous voulez me faire croire que vous n'avez pas dormi de la nuit, petit coquin? Oh! Mais c'est vrai, capitaine. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait mise à jour bouteille pour message, capitaine. Maintenant, application téléphone intelligent. Quoi? Et y a-t-il une petite lumière? Petite lumière, capitaine? Moustique m'a déjà dit que lorsqu'on a un message vocal, il y a une petite lumière qui s'allume. Message texto, capitaine. De ligne, pour présenter l'émission. Les correspondances de la TCBH sont maintenant écologiques. Cela fait moins de bouteilles à la mer, donc moins de pollution. Ah non! Moi qui commençais à peine à comprendre le principe de la bouteille à la mer, je vais devoir suivre une formation. Rorqual, faites-moi donc la lecture. Cela upgradera votre culturation de notre belle langue peuplarde. Très bien, capitaine. D'abord, chronique policière avec Marie-Josée Dubé. Elle présente Sûreté du Québec des Basques, en passant. Dangereux, naviguer et texter en même temps. Capitaine, 18 février, tournoi provincial de hockey mineur Pistolo. 21 février, capitaine, lancement politique MADA. Finalement, conclusion, capitaine, deuxième chronique policière avec policier motoneigiste. Traîneau à chien motorisé. Intéressant, capitaine. Bon, merci, Rorqual. Comme je peux le constater, la messagerie textuelle est loin d'être élaborée. Quelques mots par-ci, par-là, et l'affaire est riche. Ketchup, capitaine. Ketchup. Moustique. Le ketchup me donne des brûlements d'estomac. Vous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps ce matin de passer au cabinet. J'y vais donc de ce pas. Je vous laisse donc regarder ce petit reportage. Oh, capitaine, vous ne voulez pas rater la chronique policière? Moustique, vous me le résumerez. Je dois y aller. Ah. Cela libère les tensions. Ça s'est bien passé, capitaine? Très bien, Moustique. Les écoutilles sont libérées. Ah, Moustique! Mais quel manque de discrétion de votre part! Je vous rappelle qu'il y a des oreilles chastes qui nous regardent. Alors, cette chronique policière? C'était très intéressant, capitaine. Capitaine, saviez-vous que la Sûreté du Québec des Basques possède un grand éventail de services pour la population? Quoi? Un éventail? Vous voulez sûrement dire qu'ils apportent un vent de fraîcheur dans la région. Ha! À la bonne heure. Oh! Oh! Parlons de vent de fraîcheur. Je vais en profiter pour parfumer le navire durant la pause publicatrice. Oh! Oh! Les écoutilles dégagent! Oh! Oh! Rorqual,
ou viendrez me voir, nous allons commencer par vous. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, Rorqual? Drôle d'odeur, capitaine. C'est contre les vampires? Mais non, mon cher. C'est décoratif. Et le sapin est très à la mode à cette période de l'année. Vous voulez me passer un sapin, capitaine? Rorqual à la mode? Sapin et téléphone intelligent? Parlant d'intelligence, nous allons voir ce que la politique MADA a à offrir dans la MRC des Basques. Puis policier motoneigiste, capitaine. Ah, motoneige. Invention intéressante. Et Fred, fais gaffe. Encore un de ces tarés d'humains qui veut sympathiser. Fais comme si rien n'était. Moustique. Oui, capitaine. Ne faites pas de peur à mes poissons. Sinon, ils vont penser qu'ils vont finir en sushi. Alors, dites-moi, Moustique, du nouveau au sujet de Rorqual? En avez-vous appris un peu plus sur ses origines? Non, mais... Moustique! Mais j'ai trouvé une solution qui pourrait nous aider, capitaine. Nous pourrions lui donner une chronique bimensuelle. Ça nous permettrait d'en apprendre un peu plus sur lui. Moustique, c'est absurde. Moustique, j'ai une idée. Nous allons lui offrir une chronique à la TCBH. Je suis génial. Mais capitaine... Et puisqu'il semble bien aimer la technologie, pourquoi pas une chronique historique? Je ne suis pas sûr de bien comprendre le lien, capitaine. Voyons, Moustique. Cela semble évident. La technologie était absente à son époque. Oui, mais... Suffit. Allez lui annoncer la nouvelle. Très bien, capitaine. Oh! Je n'aime pas la façon dont ce bovin exprime sa joie.